Quand on a appris ça le 31 juillet, on l'a appris par hasard, parce qu'on en a eu vent par quelques copains qui ont été mis dans la confidence, et c'est comme ça qu'ils nous ont alertés sur ce problème. Moi-même, j'en ai été malade. Malade, je me dis, c'est pas vrai, on se retrouve comme il y a 40 ans, quoi. Il va falloir se rebattre contre... je sais pas, ça m'a fait le même effet que l'extension. Parce que, bon, même si c'est pas une extension, je pense que c'est, ça va détruire complètement tout ce qu'on a mis en place depuis 40 ans. Donc pour moi qui suis agricultrice sur l'Arzac, bon, c'est inimaginable que je vive de nouveau avec la Légion comme voisin, que mes enfants vivent avec la Légion comme voisin. Pour moi, c'est insupportable d'avoir un symbole qui est quand même un symbole de mort. Pour moi, l'armée, c'est un symbole de mort. Alors que nous, depuis 40 ans, on essaie de développer un symbole de vie, quoi, de développer la vie sur le plateau. Et là, on part complètement à l'opposé de ce développement-là. Et pour moi, c'est tout à fait insupportable, quoi. Donc un collectif, donc pour réagir à cette annonce du 31 juillet, on a décidé de créer un collectif, quoi, hein. Donc tout le monde est amené à venir dans ce collectif, tous les gens qui ont envie de nous rejoindre, ben, n'hésitez pas. Donc on peut très bien... Oui, la première action de ce collectif, ça a été donc d'écrire une lettre ouverte à François Hollande pour lui demander d'annuler cette décision, qui est une décision antidémocratique. Pour le moment, on n'a pas de réponse, même pas de réaction. Voilà, donc là-haut, c'est pareil, hein. Au niveau des ministères, c'est le même déni de démocratie qu'au niveau de nos élus locaux. Donc pour le moment, on s'en fiche. Donc c'est pour ça que par rapport à ça, enfin c'est eux qui s'en fichent plutôt de notre demande. Donc par rapport à ça, on a décidé de commencer à faire des actions. Donc la première action a eu lieu aujourd'hui à Millau, et le 5 septembre. Et donc on s'est réunis devant la sous-préfecture. On s'est réunis aussi devant le siège d'Alain Marc, le député du coin. Et on leur a posé des panneaux du camp militaire. Donc on a rebaptisé leur... Première sortie officielle pour la toute nouvelle unité de la Légion étrangère sur le Larzac. Hier soir à la cavalerie, 120 militaires ont été rassemblés devant les remparts de la cité templière pour la cérémonie de prise de commandement. Aujourd'hui est recréée, après 35 ans de sommeil, la première compagnie de la 13e brigade de la Légion étrangère. En pleine installation depuis janvier sur le camp du Larzac, cette 13e demi-brigade retrouve donc le territoire national qu'elle avait quitté à sa création en 1940. Un régiment interarmé voué à des missions diverses. Ils peuvent être engagés aussi bien en opération sur le territoire national dans le cadre de la mission Sentinelle. Et ça, on va le faire très rapidement à partir de cet été, puisque la recréation de la 13 a pour but de permettre aussi de participer à cet effort de la défense. Et ensuite, elle peut être appelée à intervenir en opération extérieure, comme le sont les autres régiments de légion étrangères et d'une manière générale l'armée de terre. La Légion étrangère devrait ici compter jusqu'à 1200 hommes. Elle sera au complet d'ici 2018. L'objet premier de cette journée-là, c'est de poser des questions et réfléchir ensemble. C'est pas faire une action ou faire uniquement une action, c'est d'avoir amené de la réflexion pour arriver vers 18h, 19h, dire bon voilà, on a réfléchi pendant 4 heures, on a marché, on a réfléchi. Avec quoi on repart? Voilà. Qu'est-ce qu'on décide? Quelle suite on peut là, il y a une action, il y a des militaires, ils sont aujourd'hui 300. Là, fin juin, la Légion d'Abu Dhabi arrive. Voilà, leur projet d'identification, lui, il a une programmation. Nous, en face, qu'est-ce qu'on fait? N'étons pas ici. Hein. Pourquoi c'est un lieu symbolique de la du Larzac? La Blaquière? Ouais. Vaste question. Là, on est parti pour 2 heures. Si ça peut être expliqué en... brièvement. Oui. Vas-y. Alors, bon... Vous savez que la lutte de l'Arzac a eu lieu entre 71 et 81. Et donc, la Blaquière est un village assez central sur le Larzac. Et pendant la lutte du Larzac, donc le paysan qui habitait là-bas avait besoin de construire une nouvelle bergerie. Parce que, bon, pour l'adapter au troupeau, voilà. Et donc, il n'a pas eu le permis de construire, puisqu'on lui a dit qu'il allait y avoir l'extension du camp militaire. Et donc, ce n'était pas nécessaire qu'il construise une bergerie. Donc, il y a une bergerie qui a été construite uniquement avec le mouvement militant. Voilà, en gros. Et donc sur cette bergerie, qui est quand même une bergerie qui a été construite à l'ancienne, ce qui est exceptionnel, ce qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui, complètement en pierre, ben vous la verrez si vous venez à la Blaquière, il y a des pierres qui sont imposées sur cette bergerie de tous les mouvements et toutes les personnes, enfin des personnes qui ont voulu laisser leur signature sur cette bergerie. Voilà, donc la bergerie de la Blaquière, c'est vraiment le mouvement emblématique de la lutte du Larzac. Voilà. Donc c'était important pour nous de partir de là. Et ce qui est important, c'est de dire c'est que c'est la fille, donc une fille qui est née là-bas, une fille du paysan qui habitait à l'époque là-bas, une fille Guiraud,
qui expliquera ce qu'elle a vécu pendant la lutte du Larzac, parce qu'il faut quand même rappeler que cette maison a été, la maison d'habitation a été plastiquée pendant la lutte du Larzac. Voilà. Par mesure de rétorsion, puisque les paysans ont commencé à résister contre l'extension du camp militaire. Donc la Blaquière, c'est un symbole fort de la lutte du Larzac, à la fois par la bergerie, à la fois par le vécu de cette famille. Et donc aujourd'hui, le fils Guéraud, Philippe, continue à exploiter la ferme familiale. Okay. Ouais, après, la question, parce que tout le monde, il y a une génération aujourd'hui qui arrive et qui n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé à la Blaquière. Hein. Et plastiquée alors qu'elle était habitée. L'année dernière, enfin, il avait fait orage, je croyais que c'était orage, mais puis je me suis rendu compte, je suis bien sûr que ce n'était pas orage, parce que j'ai senti la poudre, enfin, j'ai vu le mur, la cloison de la chambre ébranlée, les enfants qui criaient. Moi aussi, premièrement, moi, je n'arrivais pas à me dégager du lit parce que le mur de briques m'était tombé dessus, quoi. Je n'arrivais pas à pouvoir me dégager si je m'en fais, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et sitôt que les gens sont venus au secours, j'ai dit, donnez-moi une lampe pour que je puisse aller récupérer, moi, pour pouvoir m'habiller, quoi. Et quand j'ai constaté qu'en fait, tout avait été détruit dans la maison, quoi. Combien avez-vous de personnes avec vous dans la maison ? Eh bien, j'ai 7 enfants, la femme et moi, et puis le berger qui vivait dans cette maison-là. Et ce qui nous interrogeait, c'était de aussi questionner la militarisation du monde, la militarisation de la société française, les violences policières, les nouvelles formes de lutte qui existent aujourd'hui, quelle résistance aussi mettre en place. Et du coup, allier une marche avec des conférenciers qui puissent intervenir sur différentes thématiques, tout ça aussi dans un contexte de fanfare ou de performance artistique. Mais pas dans le détail, enfin, je sais que le numéro de Genève va augmenter sensiblement, oui. Mais est-ce que l'espace aussi... Non, l'espace ne devrait pas être... C'est pour ça qu'on parle de densification et pas de... À l'intérieur du camp, sauf qu'ils vont manœuvrer en dehors du camp. Ils ont annoncé qu'ils ne pourraient pas rester à l'intérieur du camp, parce que comme ils vont être 1300-1400, le camp va être trop petit, très vite pour eux, et ils vont être obligés de manœuvrer en dehors du camp. Donc c'est ce qui a été dit, c'est ce que le commandant du camp a dit l'autre jour en rencontrant des membres du Larzac, de l'association pour l'aménagement du Larzac, qui ne se tiendraient pas à l'intérieur du camp. C'est-à-dire faire des entraînements Alors, on ne sait pas, hein. des marches, des trucs, on ne sait pas très bien. Il ne faut pas, je pense, sous-estimer l'aspect symbolique, on peut considérer que c'est un camouflet à toutes les luttes du Larzac qui ont eu lieu, la décision de faire venir la Légion. Quand on pense que des militaires vont s'entraîner à tuer sur nos terres et que ces armes, on va les vendre aux pays du tiers-monde, nous ne pouvons l'accepter.